الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim Ya ayyuhallathina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. الذكر هنا معناه طاعة الله. Dans le Coran honoré, Allah nous ordonne de ne pas nous laisser nous détourner de son obéissance par les biens et les enfants. أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عما فرض الله عليكم من أمر الدين. En d'autres termes, nous ne devons pas nous laisser nous détourner par nos biens ni par nos enfants de ce que Allah nous a ordonné d'accomplir comme sujet de la religion. فالذي تمنعه أولاده أو أمواله عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو من الخاسرين. Celui dont les enfants ou les biens détournent de l'obéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est quelqu'un qui est perdant. فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ الشَّوَاغِلِ أَعْظَمُ مَا يَشْغَلُ النَّاسَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأموال والأولاد. Allah tabaraka wa ta'ala a cité ces deux sujets parce que ce sont les deux principaux sujets qui détournent les gens de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, en l'occurrence les biens et les enfants. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أموالهم. يقعون في الكبائر والصغائر من أجل المال. Beaucoup de gens désobéissent à leur Seigneur à cause de leurs biens. Ils commettent des grands et des petits péchés à cause de l'argent. ومنهم من يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر لأجل الأولاد لأجل أولاده. Et certains désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala en commettant de grands et des petits péchés à cause des enfants, à cause de leurs enfants. Les deux groupes font partie des perdants dans l'au-delà. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما أحل الله تعالى من المال. Pour cela, c'est un devoir pour l'homme de connaître quel est l'argent que Allah a rendu licite et quel est l'argent que Dieu a interdit. كما يجب عليه أن يعرف ما يعامل به أولاده، لأن معاملة الأولاد في أشياء حق ديني، وأما في أشياء فهو معصية لله تبارك وتعالى. Il est un devoir également de savoir
comment agir avec ses enfants. Dans certains cas, il y a des choses qui sont un devoir d'ordre religieux, et dans d'autres cas, ce sont des désobéissances à Dieu. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة أي عن الموقف حتى يسأل عن أربع عن أربعة أشياء. Il a été authentifié que le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a appris à ses compagnons que l'esclave au jour du jugement ne quittera pas le lieu où il va rendre des comptes avant d'être interrogé au sujet de quatre choses. قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به كما رواه الطبراني في المعجم الكبير. Il a été rapporté que notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a appris que la personne ne quittera pas le lieu où elle va rendre des comptes au jour du jugement avant d'être interrogé au sujet de quatre choses. Au sujet de sa vie, en quoi elle l'a passée, au sujet de son corps, en quoi elle l'a usé, au sujet de ses biens, d'où les a-t-elle obtenus et en quoi elle les a dépensés, et au sujet de sa science, qu'est-ce qu'elle en a fait, tout comme l'a rapporté At-Tabarani dans son livre Al-Mu'jam Al-Kabir. هو سؤال يوم القيامة عن هذه الأشياء فيما أفنيت عمرك فمن الناس من أفنوا أعمارهم في طاعة الله تبارك وتعالى. Il s'agit là de l'interrogatoire du jour du jugement. Ces questions vont poser sur ces sujets-là. En quoi as-tu passé ta vie? Il y a des gens qui ont passé leur vie dans l'obéissance à Dieu. من أول سريرتهم إلى موتهم هؤلاء من السابقين أي من أهل الدرجات العلا الذين يرفقهم الله تبارك وتعالى فوق عباده درجات. Depuis le début jusqu'à leur mort, ces gens-là font partie de ceux qui ont les plus hauts degrés. Dieu leur donne un degré supérieur aux autres esclaves. ومنهم ما يفني كثيرا من عمره في معاصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب قبل أن يموت توبة نصوحة أن يتوب من جميع الذنوب. Il y a également parmi les gens ceux qui passent une grande partie de leur vie à désobéir à Dieu, puis ils font le repentir avant de mourir, un repentir définitif, c'est-à-dire qu'ils se repentent de la totalité de leurs péchés. فيأتيه الموت وهو تائب ليس عليه ذنب إلا وقد تاب منه. La mort vient à eux alors qu'ils ont déjà fait le repentir. Ils ne sont pas chargés de péché. Ils se sont repentis de tous leurs péchés avant de mourir. قبل أن يموت تاب من جميع الذنوب هذا أيضا من الناجين من السالمين ليس عليه عذاب لا في القبر ولا في الآخرة. Ces gens-là auront fait le repentir avant de mourir, eux également sont sauvés. Ils font partie
de ceux qui sont sauvés, ils n'auront pas de châtiment dans leur tombe ni dans l'au-delà. والصنف الآخر من الناس من هو على خلاف ذلك. L'autre catégorie est contraire à ces gens-là. فمن هؤلاء من أضاع عمره في معاصي الله تعالى فهؤلاء أعظم الناس خطرا في الآخرة. Il y a parmi ces derniers ceux qui ont perdu toute leur vie à désobéir à Dieu. Ils seront dans un grave danger dans l'au-delà. وهناك صنف آخرون من البشر وهم الذين أضاعوا قسما من أعمارهم في طاعة الله تبارك وتعالى ثم ختم لهم بحالة سيئة أي وهم مسترسلون في معاصي الله. Et il y a une autre catégorie de gens, ce sont ceux qui ont perdu une partie de leur vie et ils ont passé une partie dans l'obéissance, puis ils ont fini leur vie dans un mauvais état, c'est-à-dire en commettant des péchés, en désobéissant à Dieu. كانوا قبل ذلك غير مسترسلين في المعاصي ثم غطسوا في المعاصي حتى ماتوا وهم على هذه الحال وهؤلاء من أسوأ الناس حالا في الآخرة. Ils ne commettaient pas de péché de manière continue auparavant, mais ils se sont noyés dans la désobéissance, au point de mourir en étant dans la désobéissance. Ces gens-là font partie de ceux qui sont dans une bien mauvaise situation dans l'au-delà. أفنوا كثيرا من أعمارهم في المعاصي ثم قسما كبيرا في طاعة الله تعالى وهؤلاء أحسن حالا من كثير من غيرهم. Et il y a une catégorie de gens qui ont passé une grande période de leur vie dans les péchés, puis une autre grande partie dans l'obéissance à Dieu. Ces gens-là, leur état est meilleur que celui de nombreux autres. وأما الجسم فيجب على الإنسان ألا يصرف جسمه في معاصي الله تبارك وتعالى. Pour ce qui est du corps, l'homme ne doit pas utiliser son corps dans la désobéissance à Allah تبارك وتعالى. وأما القسم الذين يحفظون أجسامهم عن تصريفها في معاصي الله تعالى ويقتصرون على تصريفها في طاعة الله وما أحل الله تعالى من الأمور المباحة فهؤلاء ناجون سالمون يكونون من أهل الدرجات العلى. Pour ce qui est de la catégorie de gens qui protègent leur corps et qui n'utilisent pas leur corps dans la désobéissance à Dieu, qui utilisent leur corps uniquement dans l'obéissance à Dieu, dans les choses que Dieu a autorisées, ces gens-là seront sauvés, ils auront de hauts degrés. وأما الأموال فالأموال قسمان مال مذموم ومال ممدوح. Concernant les biens, concernant l'argent, il y a deux catégories. Il y a un bien, il y a de l'argent qui est blâmé, et il y a un bien, il y a de l'argent qui est bon. المال المذموم هو المال الذي جلب من طريق حرام كالذين يكتسبون المال من الربا. Pour ce qui est du bien sujet au blâme, c'est le bien qui est obtenu d'une voie interdite,
comme ceux qui acquièrent les biens à partir de l'usure. الربا هو أن يقرض الإنسان ماله مع شرط الزيادة كأن يقرض الألف على أن يرد له الألف مع شيء من الزيادة قلت أو كثرت هذا مال محرم. L'usure ici, le riba, c'est lorsque quelqu'un prête de l'argent à quelqu'un d'autre en posant comme condition, en plus du remboursement des 1000 qu'il a prêté, par exemple, avoir quelque chose en plus, qu'elle soit de faible valeur ou de grande valeur. Ce surplus est interdit. هذا المال وبال على صاحبه يوم القيامة يعذب على ذلك أي على جمعه المال من الطريق الذي حرمه الله تبارك وتعالى. Un tel argent obtenu d'une voie interdite sera une source de châtiment pour la personne au jour du jugement. Elle sera châtiée pour cela, c'est-à-dire pour avoir récolté et rassemblé et obtenu de l'argent d'une voie que Dieu a interdite. كذلك الذي يستولي على مال يتيم قريب له أو يتيم غير قريب له. Il en est de même pour celui qui s'approprie les biens d'un orphelin. Que cet orphelin soit un proche parent pour lui ou pas. أو يستولي على مال الوقف وليس هو من أهل الوقف المستحقين هذا أيضا ماله حرام. Il en est de même pour celui qui usurpe et qui prend les biens dédiés au waqf, alors que lui n'est pas apte et n'y a pas droit. Celui-là aussi, son argent est interdit. Il sera une source de châtiment pour lui dans l'au-delà. كل هؤلاء مالهم يكون عليهم وبالا في الآخرة. Tout cela, leurs biens seront une source de châtiment pour eux dans l'au-delà. فمن جمع مالا من حرام كان ذلك وبالا عليه في الآخرة لو تصدق به على الفقراء والمساكين وقضى به حاجات المحتاجين أهل الضرورات لا يقبل الله منه ذلك. Celui qui a obtenu ses biens d'une voie interdite, ce sera pour lui une source de châtiment dans l'au-delà. Même s'il utilise cet argent pour faire des aumônes aux pauvres et aux miséreux, même s'il règle les affaires des gens et subvient aux besoins des nécessiteux par cet argent, Dieu n'agrée pas cela de lui. لأن الله لا يقبل صرف المال الحرام في الصدقات أو غيرها في أي وجه كان لا يقبله الله تبارك وتعالى. En effet, Dieu n'agrée pas l'argent qui provient de l'interdit, même s'il est dépensé pour des aumônes ou pour un autre acte de bien, Dieu n'agrée pas pareille dépense. فمن دخل في يده مال حرام توبته أن يرد ذلك المال الحرام إن كان ذلك المال قائما بعينه أي لم يتلف لم يتصرف فيه توبته أن يرد ذلك المال إلى أصحابه المستحقين له. Si quelqu'un se trouve en possession d'un bien d'une voie interdite. Il doit faire le repentir. Et en quoi consiste son repentir? C'est de rendre cet argent qu'il a obtenu d'une voie interdite, si l'argent est toujours en sa possession, c'est-à-dire s'il ne l'a pas utilisé,
sans repentir, c'est de le rendre à ses propriétaires. فإن مات أصحاب المستحقون له فإلى ورثته. Si les propriétaires de cet argent ont décédé, il doit le rendre à leurs héritiers. وأما من جمع المال بطريق حلال مثلا ورث من أبيه مالا حلالا ثم صار يصرفه في وجوه الحرام فهذا أيضا ماله وبال عليه في الآخرة. Celui qui a obtenu ses biens d'une voie licite. Par exemple, il a hérité de son père des biens qui sont licites, mais il les a dépensés dans des voies interdites. Celui-là également, ses biens seront une source de châtiment pour lui dans l'au-delà. يُعَذَّبُ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي صَرَفَهُ فِي الْحَرَامِ كَالَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ فِي الْخُمُورِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Il sera châtié pour ses biens qu'il a dépensés dans des voies interdites, comme le cas de celui qui dépense ses biens dans l'alcool et ce qui est semblable. كذلك الذي يصرف ماله للرياء حتى يقال عنه فلان كريم فلان سخي يصرف للناس من ماله الحلال ليمدحه الناس. Il en est de même pour celui qui dépense ses biens par insincérité, c'est-à-dire pour que les gens disent de lui qu'il est généreux. Il dépense ses biens, qui proviennent de voies licites, pour que les gens disent du bien de lui. Lui également mérite le châtiment dans l'au-delà. Parce qu'il agit, il fait le bien pour l'éloge des gens. En effet, celui qui fait le bien pour que les gens fassent son éloge, il mérite le châtiment de Dieu. Qui est donc celui qui est sauvé? Celui qui sera sauvé, selon le jugement de Dieu, c'est celui qui obtient son bien d'une voie licite et qui le dépense dans une voie licite. السالم الناجي عند الله هو الذي لا يصرف ماله في الخمور. Celui qui sera sauvé, selon le jugement de Dieu, c'est celui qui ne dépense pas ses biens dans l'alcool et ce qui est semblable des choses interdites. السالم الناجي عند الله هو الذي لا يصرف ماله من أجل أن يمدحه الناس. Celui qui est sauvé, c'est celui qui ne dépense pas ses biens pour l'éloge des gens. فالذي يطعم الناس أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى من مال حلال حتى يمدحه الناس هذا ليس له ثواب عند الله إلا العقوبة في الآخرة. Celui donc qui dépense ses biens pour nourrir les gens, ou construire une mosquée, ou une école, ou un hôpital, même si son argent est obtenu d'une voie licite, s'il le fait pour que les gens disent du bien de lui, il n'aura pas de récompense selon le jugement de Dieu. Il n'aura que la punition et le châtiment dans l'au-delà. أي أنه لا تزول قدم عبد ذلك اليوم العظيم عن موقفه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربعة. كان من الواجب أن يحفظ الإنسان نفسه من استعمال جوارحه في الحرام
ومن استعمال ماله في الحرام. Comme il en est tel que nous l'a annoncé le prophète, c'est-à-dire qu'au jour du jugement, ce jour éminent, la personne ne quittera pas sa station, la station où elle se trouve, avant d'être interrogée au sujet de ces quatre choses. C'est un devoir pour l'homme de se préserver, d'utiliser ses organes dans ce qui est interdit, d'utiliser ses biens dans ce qui est interdit. وكثير من الناس يعصون ربهم من أجل الأولاد. مثلا المرأة يكون لها ولد من أجل ولدها تترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو أكثر. هذه استحقت عذاب الله. De nombreuses personnes également désobéissent à leur Seigneur à cause des enfants. Il y a par exemple des femmes qui ont des enfants et à cause de leurs enfants, elles délaissent la prière. Elles délaissent une prière, ou deux, ou plus. Pareilles femmes méritent elles aussi le châtiment de Dieu. لا يجوز إضاعة الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى. Il n'est pas permis de manquer et de ne pas accomplir les prières que Dieu nous a ordonné de faire. لا يجوز لنا أن نقع في الكبائر من أجل الأولاد أو غيرهم. Il ne nous est pas autorisé de commettre les grands péchés à cause des enfants ou autres que les enfants. بعض الناس يجمعون المال من هنا ومن هنا. من حرام لينفق على ولده حتى يتخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك. Il y a des gens qui cherchent à ramasser l'argent et à l'obtenir de n'importe quel moyen, de voie interdite. Tout cela pour le dépenser et faire en sorte que son fils devienne médecin ou ingénieur ou autre. يقع في الحرام من أجل ولده. Il commet le péché à cause de son enfant. ثم بعض الأولاد ينظر إلى الأب كأنه بهيمة مع أنه أتعب نفسه وعصى ربه من أجله. Et il y a des enfants qui considèrent leur père comme un animal. Le père aura fourni des efforts et il se sera fatigué et désobéi à Dieu pour son enfant. ثم هذا الولد يطلع عاقا بعدما يرجع من رحلته للدراسة ينظر إلى أبيه كأنه بهيمة لأنه ليس له هذه الثقافة التي هو حملها من الأرض التي كان فيها. L'enfant devient un grand désobéissant après être revenu de son voyage qu'il a fait pour aller obtenir des diplômes, pour étudier. Il retourne chez lui et considère son père comme s'il était un animal, une bête de somme, parce qu'il n'a pas ses diplômes et cet enseignement que lui a obtenu de là où il est parti étudier. ومن الناس من يموت لهم هؤلاء الأولاد قبل أن ينالوا منهم ما كان آباؤهم يرجون من تخرجهم مثقفين. يموتون قبل أن يعملوا ويجمعوا مالا. D'autres encore perdent leurs enfants. Leurs enfants meurent avant d'obtenir ce qu'ils espéraient d'eux. Ils espéraient qu'ils obtiennent des diplômes, mais ils meurent avant de se mettre au travail et avant de gagner l'argent
pour réjouir leurs parents. هؤلاء أيضا خسروا كانوا تعبوا بخدمتهم حتى أدخلوا على أنفسهم المال الحرام من أجلهم ثم ما نالوا منهم ما كانوا يؤملونه من النفع في الدنيا. Ceux-là également seront perdants, car ils se seront fatigués pour être au service de leurs enfants. Même ils en sont arrivés à obtenir de l'argent d'une voie interdite pour leurs enfants, et ils n'obtiennent pas ce qu'ils espéraient d'eux. Ils n'obtiennent pas le profit qu'ils espéraient de leurs enfants dans le bas monde. وقد ورد في الحديث كمن مستقبل يوما لا يستكمله معناه أن الإنسان يصبح الصباح ثم لا يعلم أنه يكمل هذا النهار بل يدركه الموت في أثناء هذا النهار قبل أن يكمله. Il est parvenu dans le hadith du prophète qu'il y a de nombreuses personnes qui entament la journée mais qui ne la finissent pas. C'est-à-dire que l'homme commence sa journée au matin sans savoir s'il va être vivant jusqu'au soir ou pas, mais que la mort survienne durant la journée, avant qu'il ne finisse sa journée. كذلك كم من الناس من مستقبل ليلة لا يستكملها لأن الموت لا يشاور الشخص بل يأتيه في الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يأتي. Quand bien de personnes également entament une nuit sans la terminer. La mort ne demande pas l'autorisation avant de venir. Il se peut que quelqu'un meure parce que Dieu a su de toute éternité qu'il va mourir cette nuit-là. Inéluctablement, la mort vient à lui à ce moment-là. وهو يضحك مع الناس وهذا يموت وهو ساجد في الصلاة إلى غير ذلك من الأحوال التي يصادف الموت فيها الإنسان. Il y a parmi les gens ceux qui meurent soudainement. L'un peut mourir en marchant sur son chemin. D'autres peuvent mourir en étant en train de rire avec les gens. Un autre meurt alors qu'il s'est prosterné dans sa prière. Et d'autres situations encore, la mort survient à l'homme, parfois de manière inattendue. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأولاد أو على المال لأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يستغنى عنه. Il ne convient donc pas à l'homme de compter sur les enfants ou sur l'argent, car c'est Allah tabaraka wa ta'ala duquel on ne peut se passer et de qui nous avons toujours besoin. أما المال والولد وغير ذلك من أمور الدنيا فليست هي التي تضمن السعادة للإنسان. إنما طاعة الله تعالى هي التي تضمن السعادة للإنسان. Ce ne sont pas les biens, ni les enfants, ni autres que cela des sujets du bas monde qui garantissent la félicité pour l'homme. Ce qui est garant de la félicité pour l'homme, c'est l'obéissance à Dieu. السعادة هي السعادة الأخروية. La félicité qui compte, c'est la félicité de l'au-delà. أما السعادة الدنيوية فهي معلومة أن يكون للإنسان دار واسعة
ويكون له مركب هنيء إلى غير ذلك من أنواع سعادة الإنسان الدنيوية. Pour ce qui est du bonheur dans le bas-monde ou de la félicité dans le bas-monde, ce sont des choses qui sont connues, comme d'avoir une maison qui est grande, d'avoir une monture qui est paisible, et autres des bonheurs ou des choses réjouissantes pour l'homme dans le bas-monde. هذه السعادة الدنيوية لا تضمن للإنسان السعادة الأخروية بل كثير من الناس لا حظ لهم عند الله كبير. Cette félicité et ce bonheur du bas monde ne garantit pas à l'homme la félicité et le bonheur dans l'au-delà. Beaucoup de gens n'ont pas de bien selon le jugement de Allah. يكونون في الدنيا مترفين بأنواع من النعم ومتعين بالصحة والنشاط وهم متقلبون في معصية الله تبارك وتعالى. Dans le bas monde, ils profitent de nombreux bienfaits, ils profitent de la bonne santé, ils profitent d'une ardeur, alors qu'ils sont noyés dans la désobéissance à Dieu. Pareil à ces gens-là, leur vie est une preuve qu'ils n'auront pas beaucoup de bien dans l'au-delà. هذا إن ماتوا مسلمين حظ في الآخرة قليل من كان حظ في الآخرة كثيرا لا يكون هكذا. Si ces gens-là étaient morts musulmans, leur part de bien dans l'au-delà est faible. Celui qui a une grande part de bien dans l'au-delà n'est pas ainsi. أكثر الصالحين الذين يحبهم الله تعالى من عباده حظهم من الدنيا قليل. La plupart des vertueux, ceux que Allah agrée parmi ses esclaves, ils n'ont pas beaucoup des biens du bas monde. أكثر الصالحين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم بأن الله يحميهم من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه. Le messager nous a appris que la plupart des vertueux, Allah les protège du bas monde, tout comme quelqu'un protège celui qui est malade. بعض الأمراض يحمى فيها المريض من الماء، فكما يحمي الشخص مريضه من الماء إذا كان لا يصلح له الماء، كذلك الله تعالى يحمي عبده الذي يحبه من الدنيا. Il y a certaines maladies pour lesquelles on protège le malade de l'eau. Tout comme quelqu'un protège son malade de l'eau, si l'eau est nuisible pour lui, également Allah Ta'ala protège son esclave qu'il agrée du bas monde. أي لا يوسع عليه من المال. أما الذين يجمعون بين الغنى والصلاح والتقوى فهم قلة قليلة بالنسبة للآخرين من الأغنياء. C'est-à-dire que Allah ne lui donne pas beaucoup des biens du bas monde, mais ceux qui rassemblent la richesse et la vertu et la piété, ce sont des gens extrêmement peu nombreux par rapport aux autres qui sont riches. أغلب الأغنياء ملتهون بدنياهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. La plupart des riches s'occupent de leur bas monde et en sont détournés de l'obéissance à Allah تبارك وتعالى. إنما القليل القليل هم الذين يجمعون مالا حلالا ويصرفونه في الحلال وهم
محافظون على طاعة الله تبارك وتعالى. Mais très peu nombreux sont ceux qui obtiennent les biens de voies licites et les dépenses dans des voies licites tout en veillant à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. لا يفرح أحد بكون الرجل متقلبا في النعيم والصحة. هذا ليس دليل الرضا عند الله. Que personne ne se réjouisse quand il voit quelqu'un qui profite de la félicité, du bonheur, du bas monde et de la bonne santé. Ce n'est pas là une preuve que Dieu agrée cette personne. كثير من الناس عندما يكونون بحالة بسط ورخاء يقولون الله يحبني هذا كذب. De nombreuses personnes, quand elles se retrouvent dans une situation de bien-être, dans une situation confortable, elles disent « Dieu nous agrée ». Ceci n'est pas vrai. إنما الذي يحبه الله تعالى هو المؤمن التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات هذا الذي يحبه الله. Mais en réalité, celui que Allah agrée, c'est celui qui est croyant et qui est pieux. C'est celui qui accomplit les devoirs et qui évite les péchés. C'est celui-là que Dieu agrée. مهما كان الإنسان في هذه الدنيا مبتلا بالأمراض والفقر فهو على خير عند الله إن كان دينه سلم له. Quelles que soient les nombreuses épreuves que l'homme a dans le bas-monde, la maladie, la pauvreté, il est dans le bien, selon le jugement de Dieu, tant que sa religion est saine. أي إن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فهو عند الله تعالى على خير مهما بلغ في مصائب الدنيا التي تصيبه. C'est-à-dire que tant qu'il accomplit les devoirs, qu'il évite les péchés, il est dans un grand bien selon le jugement de Dieu, quelles que soient les épreuves du bas monde qu'il atteigne. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'a'ana. Ô Allah, nous t'invoquons, exauce-nous nos invocations. Faghfir Allahumma lil mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات. Ô Allah, accorde ton pardon aux croyants et aux croyantes, les vivants d'entre eux tout comme les morts. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. Ô Allah, fais-nous miséricorde de ta large miséricorde. اللهم اغفر لنا واختم لنا بكامل الإيمان. Ô Allah, accorde-nous le pardon et fais que nous terminions notre vie sur la foi complète. اللهم ادخلنا الجنة مع الأولين الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. Ô Allah, fais-nous entrer au paradis avec les premiers, les bienfaisants à y entrer par ta miséricorde, ô toi qui es عزيز et qui es غفار. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان. Ô Allah, fais que nous sortions de ce bas monde sur la foi complète. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.